L'accord de trêve entre le Hamas et les autorités israéliennes inclut aussi l'entrée d'aide humanitaire et de carburant à Gaza. Un total de 248 camions d'aide humanitaire sont donc entrés samedi. 61 ont livré de l'eau, des aliments et du matériel médical dans le nord du territoire, selon l'ONU. À Rafah, les bouteilles de gaz se remplissent de nouveau. Mais pour combien de temps? Ce n'est pas assez, estime ce propriétaire d'une station-service. ولا حاجة المطابخ واقفة الناس قاعدة لما بدها تخبز الخبز بتخبزه على الحطب هدنة هذه اللي صارت الأربع أيام يعني إحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تصير طويلة المدى. L'armée israélienne considère le tiers nord de la bande de Gaza comme une zone de combat. Elle a ordonné à la population de ne pas revenir. Malgré cet avertissement, des milliers de Gazaouis déplacés ont profité de la pause dans les combats pour tenter de rentrer chez eux.